Salut, c'est Fanny Smith. Aujourd'hui, on va faire un petit programme d'équilibre parce que la dernière fois, vous avez fait avec Ramon tout ce qui était gainage. Donc, pour pouvoir le voir mieux et sur grand écran, vous pouvez aller sur votre Swisscom Box. Vous allez aller sur, quand vous allumez votre télé, sur Home, la petite maison là. Ensuite, vous arriverez sur ce programme. On va aller sur App, là-haut. Sur YouTube. Et ensuite, quand il y aura la petite loupe pour rechercher, vous allez chercher Swisscom. Et là, du coup, vous allez pouvoir voir tous les entraînements que certains athlètes ont fait sur la chaîne de Swisscom. Et du coup, avec moi, pour l'entraînement, vous aurez besoin de quelques petits matériels. Donc, préparez un rouleau à pâtisserie, un tapis de gym ou bien simplement votre tapis de salon, mais aussi faire de la place et de l'espace autour de vous. Et aussi des balles de tennis ou un ballon tout simplement et un coussin. Voilà, donc préparez tout ça et on se retrouve pour l'entraînement. Donc d'abord, on va commencer avec la tête. On va bien faire des noms avec la tête. 6 autour. 3, 4, 5, 6. Des oui avec la tête, 6 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vient faire des cercles, 4 dans un sens, 1, 2, 3, 4 et 4 dans l'autre, 1, 2, 3, 4. Maintenant les épaules, on vient tourner dans un sens 6 fois, 3, 4, 5, 6 et 6 dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, les hanches sur une jambe, on vient ouvrir la hanche, le genou si on veut, 6 fois, 2, 3, 4, 5, 6 et 6 en fermant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on se met sur l'autre jambe, pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6 en ouvrant, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les genoux. 1, 2, 3, 4 dans un sens et 4 dans l'autre. 1, 2, 3, 4. Les chevilles, 6 fois dans un sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6 fois dans l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pareil, l'autre pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà pour le petit échauffement articulaire. Maintenant, on va faire un petit échauffement d'équilibre. On va aller crescendo. Donc d'abord, on se place sur une jambe pour 10 secondes en équilibre. Et sur l'autre jambe, pareil. Vous allez voir que je vais faire tous ces exercices à pieds nus. Hein, pour vraiment pouvoir faire travailler le pied. Voilà, maintenant sur l'autre jambe, pareil, 10 secondes en fermant les yeux. huit, neuf et dix. Et pareil, 10 secondes sur l'autre jambe en fermant les yeux. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Voilà. On se remet sur l'autre pied, on vient faire des noms avec la tête, on vient faire 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur l'autre pied pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Voilà, maintenant on vient réchauffer un petit peu les ischios et les fesses. On vient venir sur une jambe et aller toucher le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va faire bien pareil sur l'autre jambe 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10.
Pour les personnes plus souples, elles auront plus de facilité. Les autres, vous allez plus sentir que ça va tirer derrière. Maintenant, on va venir faire des exercices d'équilibre en déséquilibre. Donc pour ça, on a plusieurs petites choses à la maison pour s'amuser avec. Donc soit une boîte de conserve, je vous conseille de mettre des tongs parce que ça fait mal aux pieds, mais ça va très bien pour aussi se mettre sur une jambe. Ou alors là, on va essayer d'abord avec le coussin, pareil. Pour le premier petit exercice, on vient faire 4 directions. Voilà, 10 secondes sur une jambe. On vient essayer d'aller chercher loin, le plus loin possible. Et 10 secondes sur l'autre jambe. On peut descendre pour faire un peu brûler la cuisse. Voilà. Et ensuite, on a aussi, ben par exemple là, moi j'ai un mobilo. On peut venir soit sans rien, venir sur une jambe. Et pour les personnes qui arrivent à jongler sur le sol. Ou alors sur une base instable pour compliquer la chose. Ou encore, un autre, on prend une balle ou un ballon. Sur une base instable, boîte de conserve, mobile ou coussin, et on vient simplement la faire taper par terre ou contre le mur. On peut s'amuser avec les directions, pas obligé de les faire aller parfaitement. Le but, c'est de travailler 10 secondes sur une jambe et 10 secondes sur l'autre. Voilà, maintenant on vient prendre le rouleau à pâtisserie. Voilà, on vient bien faire des allers-retours. Donc on peut avancer. Bien sûr, on regarde qu'il n'y ait rien autour de nous. Hein, on prend un espace libre pour faire tous ces exercices pour ne pas se blesser. On peut aller ici en arrière avec le rouleau. Et pour ceux qui veulent s'amuser, faire un 180. Mais là, vraiment, bien en contrôle. Voilà, le dernier. On vient faire des 180 pour le premier niveau. Et là, justement, on veut équilibre, stabilité et vraiment précision. Donc, on essaye de se mettre un repère au sol. Donc le plus facile en 180 et ensuite plus difficile en 360, on vient en faire 6 en tout. Pareil, on essaye de stabiliser et dans un sens et dans l'autre. On a toujours un sens où on a plus de facilité que de l'autre. Moi par exemple, ce sens, j'ai toujours eu des problèmes. Voilà pour les petits exercices d'échauffement d'équilibre. Et maintenant, on peut venir faire des exercices force et équilibre. Donc d'abord, le premier, un peu plus facile, des sauts latéraux. On vient en faire 20 en tout. Donc on part d'un côté à l'autre. Essayez d'aller le plus loin possible en stabilisant bien avant de repartir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, et le deuxième, un peu plus difficile, la jambe de fer. On peut en faire 8, 10, 15, comme vous voulez. Là, on va en faire 8. On part sur une jambe. Vous pouvez aussi le faire sur un coussin mobilon pour faire plus difficile. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur une jambe et on va faire 8 sur l'autre. 1, 2,
Cet exercice, il est top parce que vraiment, vous travaillez la force et l'équilibre et aussi tout et 8, la mobilité. Après avoir fait ces exercices, on va finir par un peu le come down en venant faire le headstand, je ne sais pas comment on dit ça. On vient avec la respiration, là on travaille bien avec notre respiration, mettre notre tête dans nos mains. On vient monter les fesses, d'abord faire une boule et quand on est stable, on vient monter les pieds et vous pouvez le faire contre un mur au début pour que ça soit moins dangereux. Et là, on respire tranquillement. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Ciao !